tu es présent, me conduis ce choral. C'est toi le Verbe fait chair, utilise ma bouche et parle à chacun d'entre nous. Nous avons besoin que tu nous parles, que tu nous révèles les mystères cachés de ta parole. Parce que ta Bible déclare que par ton connaissance, nous te peut, nous périssons. Enseigne-nous, Seigneur. Bénis-nous ce matin. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Salut quelqu'un à côté de toi, dis Amen. 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 Nous sommes en pleine de réflexion. Nous sommes en train de bonjour, tout le monde. Shalom. Amen. Amen. Shalom, vous dit la paix et la paix de Dieu sur vous. Shalom, vous dit la paix de Dieu sur vous. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes pratiquement aujourd'hui mardi. Aujourd'hui mardi 24. Amen. Amen. Ici, c'est notre centre de cabinet d'écoute. C'est notre cabinet d'écoute. Parce qu'il y a le cabinet et puis il y a le centre. C'est le cabinet d'écoute. On prend le temps de vous écouter. Et puis un cabinet de délivrance. Cabinet d'écoute et de délivrance. Ça fait pratiquement bientôt un mois que nous sommes là, par la grâce de Dieu. Nous avons eu ce locaux. Et ça a pour nous coûté 150 000 francs le mois. Pour permettre, pour faciliter le travail. Parce qu'à Saroko, Saroko, c'est le centre de délivrance, c'est de prière et guérison. Les mariages sont là-bas. Il serait tout à l'heure, je vais aller même marcher ce matin avec ce frère qui est venu de la France, il est venu de la France, c'est un frère gagnant. C'est sa première fois à Bidjan, c'est sa première fois à Galois, tout à Dingo. Le costume qu'il porte là, je suis, c'est sa femme qui m'a offert ça. Je lui remercie. Amen. Amen. Il a aussi apporté, sa femme aussi a apporté la chaussure de Mélène, de mon interprète. Elle dit, je le vois, mais il faut que je la vise. C'est les gens qui ne sont pas venus les grands ballards. Amen. Donc je vais le faire découvrir tout à l'heure Zaroko. Lui, il repart. Il repart le samedi matin. Il est venu pour une semaine pour sa délivrance. Il repart le samedi matin sur Paris. Il prend son vol à 8h. Je suis allé l'accueillir le vendredi. Son vol est arrivé le vendredi. On l'a envoyé directement ici pour sa délivrance. Et c'est un centre international. Et à cause de tout ça, le Seigneur nous a mis à cœur d'avoir un local ici, qui serait notre cabinet d'écoute, à mettre un centre d'hébergement. Je vous dis que les gens de la diaspora, chose faite, parce que les gens s'inquiétaient un peu, parce que d'autres parents, d'autres personnes envoyaient leurs parents là-bas, à Zaroko, pour voir les conditions dans lesquelles les gens se trouvaient. C'est un peu difficile. Il faut dire, il faut te réaliser. C'est difficile. Parce que le problème d'eau à Zaroko, c'est difficile. C'est vraiment très difficile. Vous avez vécu là-bas. Nous sommes en train de nous aménager pour que ça soit fait. Mais là-bas, c'est un centre de prière et de délivrance. Voilà. Il y a des personnes, soyez réalistes, qui ne peuvent pas faire un long séjour là-bas. Donc il faut faciliter le travail. Et puis ici, il y a l'Internet. Là-bas, il n'y a pas l'Internet. Et non seulement nos programmes ici, mais sont suivis ailleurs, beaucoup de personnes. Surtout que sa femme, le jour qu'elle m'a découvert, elle est devenue accro, lui-même, il s'est devenu accro de nos vidéos. Et en même temps, elle connaît tout le monde. Et ça a aidé beaucoup de personnes. J'ai dit aux gens ne sont pas sur l'Internet ou autre chose, parce que l'Internet fait deux choses. Ça fait du bien et ça fait du mal. Il y a des anarchistes qui sont sur Internet. Moi-même, maintenant, je ne tarde pas de m'envoyer des mauvaises. Et puis, j'en profite en même temps pour dire aux gens, c'est vrai que dans ces temps-ci, mon nom a été changé sur le Facebook. Au lieu de prophète Crasso, j'ai mis Joro Crasso, Joël Shalom. Pourquoi? Parce qu'il y a eu, deux films pornographiques qu'ils ont balancés sur mon mur. Que j'ai... Oui, si. Moi, je suis beaucoup attaqué. Je suis attaqué. Ils ont mis deux films pornographiques sur mon mur que j'ai enlevé. Il y a une personne qui m'a fait une demande d'amis. Moi, quand on me fait des demandes d'amis, je valide. Quand j'ai validé la demande d'amis, le monsieur a commencé, c'était un PD. C'est ce qu'il m'a dit. Je lui ai dit, va au diable. Si tu es payé, il faut te répentir. Il dit qu'il aime Satan. Donc, quand je l'ai fermé, Facebook a fermé le Facebook. Ils ont fermé carrément. Et on leur a demandé pourquoi. Ils disent que c'est quoi le nom que c'est ma pièce d'identité, de donner ma pièce d'identité. Donc, j'ai redonné ma pièce d'identité. Et c'est le nom de ma pièce d'identité qu'ils ont affiché maintenant, là, des prophètes Crasso. Voilà. Donc, si vous voyez ça, si le plus, c'est pas moi qui ai changé, c'est Facebook. On veut réchanger, il me donne 60 jours. Je sais qu'il y a des francs-maçons derrière. Voilà. Facebook est fait même pour avoir des enquêtes sur les personnes, pour mener les choses sur les gens. Mais moi, je m'en fous de tout ça. Je suis sur le Facebook pour annoncer l'évangile de Jésus. Voilà. Donc, vous qui êtes sur le Facebook, quand vous voyez mes photos, mes draguer là, arrêtez votre sorcellerie. C'est une forme de sorcellerie. Je ne suis pas sur le Facebook pour faire quoi que ce soit. J'ai un message à donner, c'est Jésus. C'est pour ça que quand les gens sont sur le Facebook et puis ils ne savent pas ce qu'ils disent avec moi dans les causeries, salut. Moi, je suis pas là pour dire qu'ils me disent salut. Comment ça va? Tu n'as pas besoin qu'il me pose la question. C'est toi qui as un problème, tu as besoin du prophète. Donc quand il me dit comment ça va, il dit, mais c'est que tu as pas chez toi.
Si tu demandes au prophète, je ne suis pas là pour poser, je suis venu pour vous aider. Donc chacun sait pourquoi elle est sur le Facebook. Voilà, donc vous avez remarqué, c'est Joro, Joël Crasso, c'est pas moi qui l'a changé, c'est Facebook. Ils ont pris ma page d'identité pour changer, parce que je suis combattu, je combats la sorcellerie. J'ai un franc parler et je n'ai pas peur de ça. Voilà, donc sur le YouTube, nos images ne sont pas faites pour quoi que ce soit, pour ramener la confiance aux gens, pour que les gens aient la confiance pour revenir à la Bible. Depuis que nous avons commencé à donner nos images sur le YouTube, les gens finissent par aujourd'hui croire que Dieu peut les délivrer de la sorcellerie. D'autres viennent, parce que nous sommes en train de sensibiliser la diaspora. Les gens aujourd'hui ont peur de la sorcellerie, ils sont en Europe, ils ont oublié l'Afrique. Et c'est un message de Satan, pour qu'on oublie l'Afrique, pour que l'Afrique puisse perdre des valeurs. Et il y a des gens même sur une qui disent, venez avec les diplômes au Canada, venez à ordonner emploi. Mais Jésus est au chômage. Vous savez pas ça? Au Canada, il y a des clochards là-bas. Il y a des gens qui sont sans emploi. Pourquoi chez nous, là, vous voulez prendre les gens qui ont des diplômes? Et puis il y a un coup, quand on bâtit là, vous bloquez, on met tout dans toutes les conditions, et nos têtes, nos cerveaux, là, restent là-bas, servis des blancs. L'Afrique doit émerger. Amen. Amen. Oui, on n'a pas besoin forcément de l'Europe pour réussir. Non, ce n'est pas possible. On n'a pas besoin d'aller au Canada pour réussir. Les blancs vous disent non, donnez vos diplômes, vous savez non, donnez, vous venez, vous avez votre travail. Mais chez nous, là-bas, il y a des chômeurs. Et vous, les chômeurs, dans l'Europe, vous avez des bons travails. Chez nous, là, vous voulez prendre votre diplôme. C'est vous bloquer, vous bâtir là, vous mettez dans le tout. Vous allez oublier l'Afrique. Vous voyez l'Afrique comme démon. Vous voyez les sorciers partout. C'est fini. Vous allez voir le comportement des blancs. L'Afrique a besoin d'émerger. Mais le problème de notre Afrique, c'est la sorcellerie. Et ça, c'est vrai. La plupart des gens qui communiquent avec nous sur le YouTube, ceux qui viennent même ici, sont bouclés par la sorcellerie. Tout à l'heure, j'aurai l'occasion d'expliquer un peu beaucoup de choses qui ne sont que lanceurs de sorts. C'est la sorcellerie qui met. Pourquoi? Parce que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Tout est parti de l'Afrique. L'éducation est partie de l'Afrique. Tout est parti de l'Afrique. Tout est parti. La grande connaissance est partie de l'Afrique. Mais il y a le grand retard de l'Afrique. L'Afrique a retard. Pendant que d'autres se développent, l'Afrique a retard. Et quand tu regardes une vie qui est minée par la sorcellerie, c'est caractérisé par le retard. C'est tout. Au moment où c'est ta promotion émerge, les gens avancent. Le monsieur marche comme un reculant, il ne ressemble à rien, il n'avance pas, il est toujours bloqué, on ne sent pas d'évolution. Pourtant, la Bible dit que, Paul dit, j'aimerais que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Et là où il y a la sorcellerie, il y a la pauvreté. Vous comprenez bien, dans les abeux, ils tuent les gens, ils gâtent l'argent des gens. Là, il y a la pauvreté. Pourtant, l'Afrique est riche, en sous-sol. Nous avons un scandale géologique. Regardez la zone de Iri, c'est moins Iri, c'est une zone minière, il y a de l'or. Mais regardez comme la zone est pauvre. Mais quand tu passes, mes voitures sont plusieurs fois gâtées là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Où il y a de l'or? Les gens prennent des tonnes d'or, l'argent, des milliards. Ils ne peuvent même pas ranger cette voie. Ils sont en train de piller nos sols. Et c'est des produits qu'ils mettent dans 20 ans quand on n'aura plus de terre là-bas pour cultiver. Il n'y a pas de retombée économique, c'est la population. C'est de la sorcellerie. C'est une forme de sorcellerie. Tout est bloqué parce qu'ils sont capables de bloquer une région. Ils sont anti-développement. Et là où ils sont combattus, la mort s'arrête. C'est un exemple. Zaroko. Depuis que nous sommes à Zaroko aujourd'hui, c'est arrêté. C'est des vieilles personnes qui meurent. C'est normal qu'ils perdent. Les dents, une génération part, qu'une autre génération revienne. Amen. Et c'est pour ça qu'il faut combattre la sorcellerie. C'est pour ça que j'encourage nos bien-aimés. Nous n'avons qu'un seul problème. Il y a ce qu'on appelle la réalité africaine. Il y a ce qu'on appelle la réalité occidentale. Notre culture ne sont pas la culture des blancs. Oui, nous avons des réalités ici, il neige pas ici, chez eux il neige. Oui, mais c'est ça. Donc nous avons des réalités, vous parlez de sorcellerie, mais ça existe chez nous. Vous voulez quoi? Ça existe chez nous, bon, vraiment, on parle de ça. Vous parlez de la Ebola seulement. Ça existe chez nous. Ça existe la sorcellerie. Ça existe chez vous les blancs. Vous avez combattu la sorcellerie. Les blancs ont combattu la sorcellerie, regardez les films, regardez. Mais s'ils ne croyaient pas la sorcellerie, comment ils vont avoir les imaginations des vampires qui vont dans les maisons? Ils croient à la sorcellerie. L'histoire nous dit, les premiers à combattre la sorcellerie sont les blancs. La chasse aux sorciers sont de Gorès, qui a commencé 14, 15, 15, 16, 17e siècle. Ils ont pris 3 siècles pour éradiquer la sorcellerie chez eux. C'est ce qui est vrai, nous avons tous étudié l'histoire. Le siècle de lumière, c'est le 18e siècle. Et la révolution industrielle, c'est le 18e siècle qu'on appelle le siècle de lumière. Et quand on parle de siècle de lumière, c'est qu'il y a le siècle des ténèbres. Et pendant le siècle des ténèbres, les gens ont combattu la sorcellerie. Regardez, l'inquisition. On prenait les sorciers, on les brûlait au bûcher. On les brûlait. Tu es sorcier, il y a un qui te mange. C'est comme ça les blancs. Ils sont les plus barbares. Ils nous condamnent parce qu'on arrache les habits aux enfants. Mais ce sont eux qui ont pris ce qu'on fait barbares. On regarde dans leur histoire. Parce que l'histoire ne meurt pas, ça est là. Ce sont eux qui ont brûlé Jean-Luc. À Rouen, ils ont brûlé Jean-Luc. Il y a des endroits où les gens, en Italie, il y a des endroits où les gens brûlent les gens. Ça existe encore. Les blancs, ils aiment bien conserver les choses. Ils ont des maisons hantées là-bas chez eux. Il y a des maisons. Ça existe, la réalité. Ici, là, c'est une réalité. Il n'y a pas un Africain qui ne croit pas. Si tu ne crois pas à la société, tu te mets des sorciers. Si tu ne crois pas à la sorcellerie, demain t'es sorcier.
Nos promesses de sorcellerie. Quand un sorcier dans ta famille, il était un danger. Il était un danger. Moi, je ne croyais pas à la sorcellerie. Je pense que mon papa avait agressé. Mon Dieu, mon papa, ils ont tué tout le monde sous mes yeux. Moi, ils m'ont attaqué jusqu'à ce que Dieu me délivre. J'ai fini par croire à la sorcellerie. Ça existe. On peut te lancer un sort. Nos parents, ils avaient les pouvoirs ici pour aller faire la guerre. Hein? Ça existe encore, ils ont laissé ça. Ce sont les esprits. Comme on dit chez le monsieur, ça ne rentre pas. Il détente le pouvoir d'eau. Ils arrivent là-haut. C'est elle. Il y a des gens qui cachent village. Les plans ne rentrent pas dans leur vie, ils cachent. Ils détendent le pouvoir d'eau. C'est elle. Ce sont des esprits. L'Afrique doit se débarrasser de ça. Parce que ce n'est plus du. Ce sont notre héritage. C'est l'héritage que nos parents laissent. Qui fait qu'aujourd'hui, les esprits nous amènent. Tu veux, tu es bloqué. Parce que l'héritage de l'esprit, c'est la pauvreté. Et c'est ça qui est aujourd'hui sur nos sols africains. Et c'est caractérisé par ça. Nos enfants, nos parents, tout ça, nous avons tous ces problèmes-là. Le retard, sinon l'Africain est très intelligent. Tu vas vouloir faire quelque chose, on va vouloir détruire tout ça. Tu fais, on détruit. Tu fais, on détruit. Et nous avons décidé de mener ce combat. Amen. Afin de pouvoir éradiquer la sorcellerie. Et c'est possible. Les gens ont commencé, l'exemple des Blancs, ils ont commencé à s'apporter. Nous ne ferons pas comme eux pour prendre les sorciers, les brûler. Mais nous délivrons les gens. C'est ce qui est dit aux Blancs, nous sommes plus civilisés que vous. Hein? Nous respectons le droit de l'homme. Vous n'êtes pas respecté. Quand on va fouiller dans notre histoire, on peut vous mettre en prison pour ça. Oui, c'est aujourd'hui que vous condamnez les gens. Nos parents, vous avez pris, vous avez tué, maltraité, la traite négligée. Si on veut tenir compte de ça, on va vous poursuivre, vous attraper, vous mettre en prison. Aujourd'hui, vous nous condamnez parce qu'on est en train d'arracher. Vous ne voulez pas que nos sorciers là se débarrassent de nous. Nous, on est délivrés. Regardez au Niger, l'uranium. Regardez le pays qui est pauvre. Regardez le Nigeria. Regardez le Ghana. Le frère me disait que c'est le deuxième pays au monde, c'est ça, en matière d'or. Après, il y a Pretoria, Afrique du Sud. C'est le Ghana. Regardez nos pays. On a du pétrole bleu. Les pétroles, on n'a pas besoin de les raffiner, mais on les met dans la voiture directement. On a retiré un pétrolier la dernière fois, un frère ivoirien qui venait des États-Unis. Il nous parlait de pétrole de Texas. Il venait du Texas, un frère qui venait des États-Unis faire sa délivrance ici. Il y a nos pétroles là qui existent entre Ghana et nous. Tout là. On n'a pas besoin de les raffiner. C'est déjà bleu. On peut mettre ça directement dans le truc. On a le meilleur pétrole. Mais regarde l'Afrique en retard. L'Afrique en retard aujourd'hui. Elle n'avance pas. Et les gens pensent que c'est des mises en scène. Avant de dire qu'ils te mentent, c'est pas mise en scène, c'est une vérité. Il y a deux mondes qui caractérisent notre monde. Il y a le monde qu'on appelle le monde spirituel. Et puis il y a le monde visible. C'est pour ça que Jésus dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Le ciel, c'est le monde spirituel. Et la terre, c'est le monde visible. Donc notre monde visible là dépend de notre monde, qui est le monde spirituel. C'est pour ça que Jésus dit tout ce que vous déliez sur la terre sera délié dans le ciel. Il faut que tu sois délié pour que le ciel libère ta bénédiction. Tu vas beau parler tant que tu n'es pas délié. C'est ça qu'il dit que le chrétien a les deux pouvoirs au monde. Le lier et le délier. Satan, lui, lit. Il ne s'est pas délié. Le chrétien lit et délie. Amen. C'est pour ça pour avoir la victoire sur les œuvres de la sorcellerie, il faut que tu acceptes Jésus comme sauveur et Seigneur. C'est la première condition. Pourquoi? Parce que l'homme s'est vendu son autorité, son pouvoir à Satan. Parce qu'il a obéi à Satan dans le jardin. C'est pour ça que Jésus a fait le rachat. En croyant en lui, tu retrouves tous tes droits. Amen. Et tu as le pouvoir sur les ténèbres. Parce que quand Christ est en toi, aucun sorcier ne peut te manger. Amen. C'est pour ça que, étant chrétien, n'ayez pas peur d'aller investir dans mon village. Alléluia. Pourquoi avoir peur qu'on a Jésus? Pourquoi avoir peur? Alléluia. Si on a Jésus, le sorcier ne peut rien contre nous. On peut aller à l'église et puis ne pas avoir Jésus. Oui. Beaucoup de possédés dans les églises. Même sorcier, même voir dans les églises. Aujourd'hui, même dans nos églises, on parle moins de la sorcellerie. Pourtant, c'est notre problème. Tu vas fouiller dans l'église là. Si ça, c'est ça même qu'on trouve les sorcelleries. Et vous parlez du ciel, au ciel, c'est vraiment pas tout ciel. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. La Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés près de lui. Elle doit mettre comme vie d'aller au ciel. Si sorcier dans ta vie. Amen. Vous savez que la pauvreté, là, ça peut t'emmener loin. Quand quelqu'un est pauvre, il n'est pas voleur. Hein? Il est malhonnête. Vous avez un pauvre honnête. Dites-moi la vérité. Non. Tu n'as pas mangé deux jours. Tu n'as pas pensé à banane, mis des adieux, chant, tu as loupé. Et Dieu. Mais oui, ça vient dans ta tête. Faim. Quand vendre là,
C'est quand Jésus a eu faim que le tentateur s'est approché de lui. Quand tu vas qu'on vende vide, là, il va venir. Satan, il n'est pas ton camarade. C'est pour te faire tomber. C'est lui, non, les gènes, les bruits. Lui, s'en fout de ça. Le jour où tu auras faim, la soeur en Christ, attaque les démons. Le démon va venir t'attaquer. Même soit des plantains, Dieu vert, Dieu violet. Ma soeur, ça va? Tiens, c'est ton cadeau. Hein. Mais tu vas voir que Jésus t'a exaucé. C'est pour ça qu'il a couru derrière le monsieur. Quand le vent est vide, il y a problème. C'est pour ça que tous les dirigeants, quand ils prennent le pouvoir, ils disent lui, tombe la pauvreté. C'est pas là? J'appelle le gouvernement qui prend, puis il va pour la pauvreté. Parce que la pauvreté, c'est la racine de tous les maux. Et c'est ce que le diable envoie. À cause de cette présence, tant que le roi des esprits dans ta vie, tu vas causer la pauvreté. Tu vas garder ton âme. Et s'il y a la pauvreté, c'est fini. C'est fini, c'est la catastrophe dans la vie. C'est pour ça que Jésus-Christ a réglé le problème de la pauvreté. Un chrétien doit être un homme riche. Amen. La richesse, c'est quoi? Nous explique carrément la richesse. C'est quoi? Celui qui est dans l'abondance, qui ne manque de rien. Amen. Le pauvre, celui qui est constamment dans les besoins. C'est tout. Celui qui est constamment dans les besoins. Et les gens, ils font marcher chez leurs voisins. Voisin, il peut avoir un peu de riz. Ok, j'ai compris. Voisin, il peut avoir sel. Voisin, je peux avoir qui manger. Ah, tiens. Ça n'honore pas Dieu. Il a marché là. Tu vas finir de faire marcher chez ton voisin, puis tu vas à l'église. Il se moque de toi. Amen. Il faut que nous soyons des ambassadeurs de Jésus. En nous regardant, il faudrait que les gens croient à nos fils. Nous, vous savez, nous devons être témoignage. On n'a pas besoin de prendre vie. Ça, non, c'est révolu. Quand il voit les gens prêcher, c'est vrai dans la rue. Toi-même, tu dois prêcher. Ta vie là, ça doit être une prédication. Lui, c'est qui? On dit ton. Donc Dieu peut bénir quelqu'un. Oui. Ton témoignage suffit. C'est ça qu'il demandait à Dieu. Je vous dis, faites cette prière. Parce que vous avez des rencontres bizarres. Il ne faudrait pas que les gens bizarres rentrent dans vos vies. Il y a des gens qui devraient se séparer d'eux. Parce qu'ils ne vous arrangent pas. Il y a des gens qui viennent de quitter vos vies, dans votre travail, vos ministères. Pour que vos ministères s'améliorent. Il y a des gens qui viennent de rentrer dans vos vies pour améliorer votre vie. C'est pour ça qu'il ne faut pas te lier à n'importe qui dans ta vie. Parce que le contact, la connexion peut catégoriser beaucoup de choses en toi. Nous ne sommes pas nés pour être derniers. Mais il y a des gens qui vont venir te mettre en arrière. C'est pour ça qu'il ne faut pas lier l'amitié bizarre avec des gens. Parce qu'ils viendront détruire ta vie. Par contre, d'autres viendront pour améliorer ta vie. Donc il faut avoir du discernement. Moi, il libère tout le monde. Si tu es à toi, c'est quand c'est du gagnant-gagnant. Dieu n'est pas bête. Dieu ne peut pas n'importe qui aussi. Amen. Amen. Vous partez jouer l'idole à tout le monde, machin tout le monde, connaître tout le monde. Il t'apporte quoi? Amen. Amen. Attention. L'Afrique doit émerger, mais à partir de nous. La seule chose qu'ils devront faire, c'est être délivrés de là. Cherchons notre délivrance. Cherchons que nous Jésus-Christ. Et de croire. J'étais à la maison, la jeune fille, elle a fait la prison pour la société. La jeune fille. On l'a envoyé à Zaloko pour sa délivrance. Et après ça, nous on a fait partie. Et je l'ai aperçu à Zaloko. Elle était à Zaloko. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fous là? Elle a un enfant. Tu fous quoi? Non, je suis à Zaloko. On me dit, si je m'en vais au village, ils vont me tuer. Ceux avec qui elle a fait sorcellerie là, ils sont en train de juger leur peine. La prison, c'est 55 ans. Il y a un qui est mort. En prison, il y a un qui est mort. C'est ça? Tu as appris ça aussi? Tu as appris ça? Qui est mort? Comment vous appelez ce qu'il est mort? Il a tué aussi, il a mangé aussi ta soeur. Ah, tu vois? C'était une sorcière, elle a fait prison. Elle a avoué, elle a dit c'est la justice ici. Ils l'ont mis en prison. Nous sommes allés voir le juge. Il dit on veut les délivrer. On les a mis en prison, c'est l'aide. Elle a fait pipi là-bas. Si eux. Il n'a pas dit, excusez-moi, je ne suis pas les gens. Nous, on s'est retrouvé quelque part. Avant la voyage à Zaloko. Ses parents l'ont envoyé à Zaloko, on l'a délivré. Mais je l'ai vu dans la rue avec un enfant. Maintenant, sa délivrance, elle a délivré. Il faut l'aider. Donc, je l'ai envoyé. Et il faut me trouver à Divo. Comme ça, on va t'aider. Hein, le bébé. Bébé, là, qui t'aide. Qui t'aide. Ton bébé aussi, il t'aide. Je comprends. Il comprend. T'inquiète, quand tu jettes coup d'œil, tu vois bébé là. La femme, non, la mère, je lui t'aide pas. Donc, sa maman, il a dit, il a fait appel à sa maman. Sa maman est venue hier. Il a dit, ah. Bébé là, il a plus d'un an. L'enfant est malade. L'enfant est malade, il est souple. Il dit, l'avenir de l'enfant, ta fille, elle ne sait même pas. Ça veut dire sa fille a donné demain quelque chose là, elle ne connaît pas. Il dit, mais elle, comment quelqu'un peut vivre sur cette terre et puis la fille ne sait pas que quelqu'un va devenir demain. C'est ça notre problème en Afrique.
C'est qu'on n'aime pas projeter les choses loin. Ta fille, elle a essayé peut-être. T'as eu en bas 6 ans. Une grossesse a fait qu'elle n'est pas bâtie. Elle a eu 14 ans. Ça veut dire que, comme tu l'en as dit, arrange-toi. Hein. Moi, ce que je veux te rendre comme service, prends l'enfant. Hein? Moi, il y a aidé ta fille. Parce que demain, elle t'a aidé. Il faut qu'elle parte à l'école. Moi, je suis prêt à m'investir. Je suis prêt à l'aider. Pour montrer aux gens qu'on peut être sorcier, peut être délivré demain. Et puis être utile à la société. Il faut qu'on montre ça aux gens. Donc, pour aller, moi, je veux que l'enfant m'amène. Mais. J'ai piqué. Bébé, il n'a qu'à mourir. Quoi? Ton souhait fait ta petite fille meurt. Elle met ça dans ta tête. Maintenant, la petite fille n'a pas guéri, donc la grande mère, elle, papa la même. Il dit, prends l'enfant, il a son papa. Donne son papa. Donne une chance à cette fille d'aller à l'école. Fais le choix. Nous, les princes investis, on ne va pas s'occuper des bébés et puis de l'enfant. Non, c'est pas possible. Elle a eu l'an 36e, ça a fait des bébés qui a fait qu'elle n'est pas partie. On peut la récupérer, faire un travail. Là où elle est dans le christianisme, on peut l'encadrer, elle ne peut plus évoluer. Il faut donner.